Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une fois encore, nous sommes là pour glorifier notre Dieu. C'est une grande joie pour nous de présenter cette émission parce que le Dieu Tout-Puissant nous a gardé encore tout au long de la semaine dernière. Avant de commencer, nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci une fois encore. C'est une grande grâce pour nous, Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par ton esprit. Nous respirons encore, Seigneur. Nous sommes là ce soir pour te glorifier, Seigneur, que la gloire te revienne. Et que tout ce qui va se passer ce soir, Seigneur, Seigneur, pour ta seule gloire, et puis quelqu'un soit béni, soit touché, soit guéri au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Amen. Je voudrais vous dire bonsoir. Je voudrais dire bonsoir à toute personne qui nous encourage. Merci pour vos encouragements. Merci aussi pour vos soutiens. Je voudrais saluer aussi la régie qui est toujours présente. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Et je salue quelqu'un qui a l'habitude de regarder ce direct. N'oubliez pas de partager ce direct. Ça va faire du bien à quelqu'un. Ce soir, nous allons saluer deux personnes très importantes. Je salue maman Philomène Koukoué-Médi depuis le Bénin. C'est ma maman spirituelle. Que le Seigneur te bénisse, maman Philomène Koukoué-Médi. Je salue aussi mon maître de cœur. Si je suis Gilberto, je chante aujourd'hui. J'ai commencé quelque part. Il m'a enseigné comment chanter, comment lire les notes. Il s'appelle Koukoué-Médi Étienne Kassouré. Que le Seigneur te bénisse. Ce soir, nous allons danser. C'est un son que j'ai sorti, ça fait un moment. J'institue cette belle mélodie, Jésus Sauveur. Jésus est venu sauver l'humanité. Nous allons danser avec la complicité de la régie. Jésus Sauveur, Gilberto Koko. Dansons avec nous, on y va.
Alléluia. Venez à Jésus pour tout ce qui est fatigué et chargé, il vous donnera du repos. Il n'y a pas de repos dans le monde. La personne qui donne le repos, c'est Jésus. C'est une grande joie de partager ce moment avec vous. Je salue toute personne qui nous regarde dans ce moment, qui est connectée ce soir, que vous n'êtes pas ici par hasard, mais vous êtes ici parce que Dieu vous a dirigé ici. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'identifier quelqu'un, que quelque chose se passe ici ce soir. Nous allons danser, nous comptons de danser, je vais demander à la régie, nous allons maintenant au Congo qui s'appelle Michel Bakenda dans Yesu Yoka. Jésus écoute. Jésus écoute, écoute ce soir. Dansons pour la gloire du Seigneur, dansons pour la gloire du Seigneur. On donne lui à la régie.
notre Dieu, il est merveilleux. Ce soir, nous allons partager un petit message, ensemble comme d'habitude. Le thème de mon message ce soir, nous continuons, sur le même thème de la semaine dernière. Le thème de mon message, pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière, je vais vous rappeler, FF, la foi est une folie. Et on a vu cette passage dans la parole de Dieu, dans le livre des Hébreux. Je vais demander à la régie, nous allons reprendre encore, pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière, la foi est une ferme assurance. Et j'ai dit ici, c'est quoi la foi? Tu ne vois pas la chose, mais tu as une conviction. Tu es ferme dans ce que tu dis. Et nous allons continuer de lire aussi, toujours dans le livre d'Hébreux, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Juste le 4. Hein? Oui. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia. Ici, nous voyons l'histoire de deux frères, Abel et Caïn. Les deux sont partis faire une offrande à Dieu. Parce que quand les deux s'apprêtaient, Abel a dit non, le Dieu que je vais rencontrer, il a eu la foi. Ce Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Il mérite quelque chose d'extraordinaire. Et Caïn, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a ramassé des choses bizarres que ce Dieu, il ne croyait pas exactement en ce Dieu. Il dit non, pour toute façon, je ne vois pas ce Dieu, je vais lui chercher des maïs pourris, les clémentines pourries, les ananas pourris. Il a ramassé, arrivé là où ils vont offrir ce sacrifice. Dieu a accepté le sacrifice d'Abel. Et nous savons tout ce qui s'est passé. Par la jalousie, il a tué son frère Abel, Caïn. La Bible dit ici, même après sa mort, il parle encore. Son sang parle encore devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Nous lisons encore le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voilà encore quelqu'un qui n'est pas mort, mais il a été enlevé comme Jésus aussi a été enlevé, comme aussi Élie aussi. Enoch avait la foi. La Bible déclare que ce dernier avait la foi avant d'être enlevé. Ce monsieur, il avait la foi car Dieu a jugé bon que ce monsieur, il est différent. Il croit. Dieu a vu en lui quelque chose d'extraordinaire. C'était quoi? C'était la foi. Nous lisons encore le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il ne suffit pas juste d'être un chrétien sans la foi. Mais ma prière pour toi ce soir est que tu sois un chrétien avec la foi. Ce verset, le verset 6 nous dit, oh, sans la foi, tu n'es pas agréable devant Dieu. Non. Tu peux être chrétien, mais tu n'es pas agréable. Nous voyons aujourd'hui, les gens qui n'ont pas, qui ne sont pas chrétiens évoluent dans les domaines, dans les business, dans beaucoup de choses. Et nous qui sommes les chrétiens, nous sommes là. Oui, nous, on est des chrétiens, on est des chrétiens. Mais pourquoi cela évolue? Parce qu'ils croient en ce qu'ils font. Mais nous, les chrétiens, nous devons croire à notre Dieu qui nous a donné ce talent, qui nous a dit, allez, vas-y.
Vas-y, tu peux faire des business. Mais avant ça, nous allons danser encore. Il s'appelle Eric Kamoun Yovogan Danja. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. On y va à la régie.
Camus, Yovo Kanku, le Saint-Béni depuis la Belgique. Et Dieu disait tantôt, pourquoi nous les chrétiens, nous évoluons pas? Parce que nous croyons, nous sommes des chrétiens, mais il nous manque la foi. Là où les gens qui ne croient pas, les gens que nous croyons qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu, ils entendent des business, ils veulent faire quelque chose, ils foncent. Et ils regardent pas, ils disent, non, je vais y arriver. Nous, quand on commence déjà à mettre les barrières devant nous, oui, parce que Paul a déjà fait ça, il a échoué. Parce que lui l'a déjà fait, il a échoué. Nous allons demander à la régie encore de nous lire dans le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi. Noé, voilà quelqu'un. À cette époque, Noé était la seule personne que Dieu a sauvée avec sa famille. Parce qu'il avait la foi. Dieu a dit, je vais détruire le monde. Le monde devient de n'importe quoi. Il y a trop de désordre dans le monde. Je vais détruire le monde. Maintenant, toi, Noé, fabrique un bateau. Là où tu vas rassembler les gens. Là où les gens qui vont croire, ils vont te suivre. Tout le monde a abandonné le projet de Noé. Noé a dit, c'est Dieu qui m'a dit. Et ce Dieu, il croit en ce Dieu d'abord. Le monde, les gens qui dans le monde, il y a un langage qui dit, il faut croire en ce que tu fais. Mais il faut croire en Dieu qui t'a donné cette capacité. Noé a cru en Dieu ce qu'il a dit de bâtir, de construire ce bateau. Et les autres, ils rigolaient, ils se moquaient de lui jusqu'à la montée des eaux. A commencé. Ils étaient tous noyés par l'eau. Dieu a sauvé Noé. Pourquoi? Par la foi. Nous allons lire encore verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Ah, Dieu a dit à Abraham, sors de chez toi. Abraham ne savait pas, on a déjà parlé de ça ici. Abraham ne savait pas là où il allait, mais par la foi, il a gardé le Dieu, il a cru en ce Dieu-là qu'il a envoyé. Il ne savait même pas là où il allait. Le verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Ce monsieur a été un monsieur extraordinaire. C'est pourquoi on dit le père de la foi aujourd'hui. Dieu l'a mis dans plusieurs situations compliquées. Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu a donné l'enfant. Maintenant, cet enfant, Dieu lui a dit, va encore tuer cet enfant. Abraham a cru en ce Dieu. Il allait sacrifier son fils unique. Nous lisons encore dans le verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Par la foi, Moïse qui a été sauvé par la fille de Pharaon, grandit dans la maison de Pharaon. Un jour, Noé, quand Moïse a commencé à grandir, Moïse a dit, non, je ne veux pas continuer de manger la viande ici. Lorsque mes frères sont en servitude, lorsque mes frères sont toujours en esclavage, mais non. Moïse a dit, par la foi, dit non, tu sont mes frères. Mais je ne peux pas continuer à rester ici, à être le prince ou quoi, bien honoré. Alors mes frères souffrent. Il a dit non, je ne suis plus le fils de la fille de Pharaon. Je suis un juif, par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est un passage biblique, on n'a pas le temps de lire. Mais le juste vivra par la foi. Quand tu veux vivre, quand tu veux faire quelque chose, il faut vivre par la foi. Il faut garder la foi. Il a dit non, je ne peux pas continuer de manger la viande. Tandis que mes frères souffrent, il a dit non, je ne suis plus enfant de la fille de Pharaon. Il a dit non, par la foi. Et nous voyons ceux qui nous ont précédés dans la foi, sur le chemin de Dieu, où on servit Dieu. Ils se sont basés sur la foi pour avoir ce qu'ils cherchaient ou pour être à la hauteur de là où ils étaient. Avant que nous aujourd'hui, nous continuions aussi de suivre ce pas. C'est une grande joie pour moi de partager ce direct avec vous. C'est une grande joie de partager cette parole avec vous. Gardez
garder la foi. Garder la foi. Pas la foi. La Bible déclare, même si nous avons la foi, nous pouvons dire à la montagne, montagne, déplace-toi. C'est quand tu dis à quelqu'un, je peux ordonner aux montagnes, elle va se déplacer. Ils vont te traiter de fou. Tu es fou. Comment tu peux parler à la montagne? Mais je déclare dans ta vie ce soir, toute montagne qui est devant toi, qui te bloque d'aller dans ta destinée, que la main de l'Éternel, que par garde la foi, ta foi va les déplacer. Ta foi en train de les déplacer au nom de Jésus. C'est une grande joie de partager ce moment. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program. Next week, we are going to do something special again. In Jesus' name. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, nous nous retrouvons ici si Dieu le veut. Je salue la régie. Je salue toute personne qui a suivi ce direct jusqu'à la fin. Que la main de l'Éternel vous localise. La semaine prochaine, nous nous retrouvons ici. Nous allons danser. Nous allons écouter la parole de Dieu et garder la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.